Bonjour à tous, c'est Rfuoft. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, on est sur des petites infos. Des petites infos. Ah oui, effectivement, des petites infos sur la Jap. Alors, comme vous savez sûrement, il y a déjà eu quelques temps. Ça fait déjà quelques jours que vous êtes sûrement déjà au courant de tout ça. Nous avons eu 300 perles, je crois, parce qu'il y a eu un portail un peu buggé ou je ne sais plus quoi. Et du coup, ils ont donné 327 perles. Enfin bref, on s'en fout. Le principal, c'est qu'on ait toutes ces perles, qui est quand même très conséquent et important. Et aujourd'hui, je m'adresse beaucoup à ceux qui auraient envie de reprendre Dokkan, qui auraient envie de... peut-être que leur compte global leur saoule, du coup, ils ont envie de changer un petit peu, recommencer un compte, mais de bon pied. Et bien bah, franchement, là, c'est l'occasion de ouf, parce que dans ce portail, mis à part le fait que vous avez Kayle, Khalifa, Kefla, tout ça, il y a tous les LR du jeu. Ce qui fait que vous pouvez commencer de bon pied avec des super bons persos. Alors du coup, pour ma part... J'ai fait quelques petits smurfs pour l'instant, j'hésite à savoir entre deux comptes ce que je choisis. Alors j'en ai un où j'ai drop beaucoup avec Bojack. J'ai Bojack LR du coup dessus et j'ai drop beaucoup. Donc pour l'instant je suis plutôt apte à aller dessus. Même si c'est pas le perso que je préfère, mais il est vachement charismatique, j'aime bien. Le deuxième c'est sur mon portable, j'ai eu Black Zamas LR. Le bémol, bon on va invoquer. Le bémol, c'est que j'ai pas eu beaucoup de drop, on va dire, sur mes invocations. J'ai pas été ouf. Du coup, j'étais grave déçu. J'ai refait une invocation ce matin et toujours rien. Du coup, j'étais grave déçu. Donc, j'hésite encore à garder ce compte-là. Je le garde encore parce qu'on sait jamais. Je me dis peut-être que dans l'avenir, avec un peu de chance, ça va revenir. On sait jamais, hein. Donc, voilà. Pour l'instant, voici mon topo actuel. Donc, j'ai recommencé une jab pour le coup. Je stoppe un peu Maglo parce que Maglo, ça me saoule un peu en ce moment. Tiens, voilà, celui-là qu'il me faudrait là sur mon compte avec Bojack. Franchement, si je l'avais, ça serait cool. Donc, bien évidemment, sur ce portail, vous avez, voilà, par exemple, Khalifa. Vous avez toujours en dernière une SSR parce qu'elle est tout simplement garantie. Donc, voilà. Est-ce que sur ce compte, il y aura possibilité d'avoir un LR? On sait jamais. Alors, pour l'instant, première multi un petit peu désastreuse, on va pas se mentir. Alors, je vérifie un truc parce que... Voilà, non, c'est bon. Parce que la dernière fois, justement, j'avais fait comment dire, les invocations hier. Sauf que je me suis retrouvé littéralement quenelle parce que mon logiciel n'avait pas du tout enregistré les invocations. Ce qui fait que vous avez juste l'écran du portail. C'était génial, je parlais derrière, j'étais ouais. En plus, c'est dommage parce que j'avais eu beaucoup de choses. Et là, on a l'air tellement triste. Donc là, vous avez quasiment les invocations que j'ai eues quand j'ai eu Black Zamas, hein. On en était à peu près là. Donc, Kefla. Ok. Alors, franchement, mis à part la garantie, on peut dire qu'on a eu quasiment deux multis très fakés, hein. Sachant que le taux de drop, je crois, d'SSR est quand même de 17%, il me semble, si je ne m'abuse. 4 capsules, arc-en-ciel. Alors, est-ce que tu vas nous sortir au moins 2 SSR en plus? Pour te dire que je me pardonne, ça serait beau, hein. Yajirope. Reddit. C'est pas encore le cas, là, hein. Frieza. Oh là là, babidibou. Ok. Donc du coup Kefla, bon bah du coup on l'avait déjà. On s'en fout un petit peu hein. On aimerait avoir autre chose. Franchement le cancer dans ce portail ça reste tout de même le bout. Ah ok donc la Kayle, ok pourquoi pas. D'ailleurs franchement je sais pas ce que vous en pensez. Mais les trois personnages Kefla, Khalifa et Kayle, je trouve que c'est des personnages vachement intéressants. Franchement, pour commencer un compte avec des LR, si vous avez les trois persos, c'est quand même pas mal. On va pas se mentir, les persos sont quand même vachement intéressants, je trouve. Je surveille dehors parce que mon chien est dehors, vous avez peut-être dû entendre, mais s'il pleut, je me sentirai très niqué. Je surveille tout de même, on sait jamais. Le commandant Ginyu en force. Oh putain, vas-y. Sors-moi autre chose quand même. Parce que là, on est d'accord, on a quasiment que du portail. Pan GT. Ok. Oh là 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 là. Pour l'instant, on s'en sort qu'avec une seule SSR à peu près. Sachant qu'on a commencé avec pratiquement deux multifakes. Bergamo, on finit. Bergamo, qui est pas trop dégueu, mais sans plus. Ça va. C'est mieux que le bout.
Donc, deux multi-invocations. Est-ce que... Arc-en-ciel. Est-ce qu'il sera possible de choper un LR sur ce vieux compte? Sachant que Black Goku, je l'ai eu à peu près sur un compte aussi pourri que celui-là. Hein. Pourri. Moins pourri, parce que pour le coup, moi, j'ai pas eu Khalifa. Là-dessus, on a quand même tout le portail, quasiment. Bergamo, Khalifa, tout le bordel, hein, c'est déjà pas mal. Mais disons qu'on ne drop pas plus des SSR que ça, donc c'est un peu triste. Ok. Ok, genre je m'attendais à un Shenron, Omega Shenron SSR, tu vois, mais pas du tout. Ok, bah du coup, Khalifa encore une fois. Triplon Khalifa, oui, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Du coup, encore un seul SSR. Allez, s'il te plaît, j'aimerais qu'on finisse sur une bonne dernière multi, tu nous sors. Je sais pas combien de SSR. Avec un petit LR. Cette capsule. Normalement, on devrait en avoir d'autres. Normalement, je dis bien normalement. Whisu. Trunks. Donc là, on a deux. Putain, lui aussi, il me le faudrait. Trois. Oh! Oh, couleur. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans, lui? D'accord, il y avait un pourcentage de chance de drop couleur. Ok, bah ça change un peu du coup. On a un nouveau personnage, c'est cool. Ça change un petit peu hein, quand même. J'aimerais bien connaître son taux de drop. Ok, deuxième. Alors là, ça drop bien. Donc là, est-ce qu'on en aura peut-être 4? C'est jamais. Bon, on finira sur le dernier SSR du portail. Voilà. Bon, on finit sur une Khalifa. Bah écoutez, on a au moins 4 Khalifa quoi. Bon, par contre, lui, mais quand même pas trop mal, je pense, sur un compte comme ça. Enfin, pas sur un compte comme ça, du coup, parce que avec Khalifa, je pense pas que t'aies de lien énorme. Putain, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, les gars, vous l'avez. Vous pouvez la mettre 100%, quoi, quasiment. 3 Kefla, une Kayle, un Bergamo. Quand même. Voilà. Bah, du coup, c'est des invocations très intéressantes. Bah, moi, je vous propose quand même, parce que je pense que j'étais assez vite. Je me permets, je regarde mon compteur où j'en suis. Je sais pas s'il y a moyen de voir. Non, bah non, pas du tout. Si, 7 minutes. Ah bah si, vas-y, tranquille, tranquille. On finit sur des petites solos. C'est jamais, hein. Qu'est-ce qui pourrait sortir? Ok, bon là, à mon avis, voilà. La petite R professionnalisme qui va sortir. Ah ouais. Ah ouais, on est sur de la bonne qualité là. Hein. Du très beau air quoi. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira parce que du coup, étant donné que j'ai recommencé un compte Jap, il y aura possibilité à l'avenir d'avoir plus de vidéos d'Okan. Alors par contre je vous annonce, je vais être absent on va dire pendant un bon petit moment parce que là je vais être en stage. Et je vais loger chez un poteau, hein, clairement, pour mon stage. Donc du coup, les vidéos déjà que récemment c'était un peu chaud parce que je me suis mis à fond vraiment dans les études quand même là. Très motivé pour l'année prochaine pour aller dans mes études supérieures. Donc du coup je joue beaucoup moins. Enfin je joue beaucoup moins, je joue surtout un peu plus à autre chose du coup. Pour me décontracter on va dire. Du coup voilà. Du coup je pourrais vous tourner que des vidéos le week-end ou alors chez lui mais ça va être super chaud quoi. Je vous cache pas. On verra comment ça pourrait se passer. À mon avis ça va être quelque peu compliqué. Est-ce que... On va sortir un SSR sur cette action ou sur la prochaine. Ou, tout simplement, une grosse quenelle. Putain, j'étais. Putain. Putain! Allez, vas-y, la dernière, s'il te plaît, fais-nous du rêve. Vends-nous du rêve, s'il te plaît. 3. Putain, 3. Arc-en-ciel ou pas? Possible. Possibilité. Tout est possible avec 3 capsules. Tout est possible. Ouais, non, pas en fait, avec celle, c'est pas possible. Non. Eh ben écoutez, voilà, c'était la fin des petites invocations. Franchement, tout ce que j'ai à dire, c'est pour ceux qui voudraient reprendre Dokkan de bon pied. N'hésitez pas, profitez-en. Ça va durer, à mon avis, quelques jours. Ça va pas durer très longtemps encore après cette vidéo, je pense. Donc, franchement, n'hésitez pas. Allez-y. Faites-vous plaisir et invoquez comme des porcs.
Allez, sur ce, je vous fais des poutous et je vous dis à plus à la prochaine vidéo.